Yo le monde, c'est Paradix. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur un épisode de rien du tout, hein. Un épisode de rien du tout. On revient juste sur Real Life RP après un bon temps d'absence quand même, il faut le dire. Ça a pas changé, enfin si en fait, pas mal. Ils ont tout refait le chargement, etc. On peut voir que la TH est pas tout à fait le même. Bon. Ça cherche toujours à se faire du pactole par tous les moyens. Alors, quel bouton j'ai réglé? Celui-là, ok, comme ça c'est fait, je pourrais parler. C'est plutôt pas mal. Ok. Encore deux fois. Il y a un Jean. Ok, ok. On va aller voir si... Je sais pas si on verra beaucoup de choses intéressantes dans cet épisode. Juste aller voir si éventuellement, par le biais d'une chance extrêmement... Salut. Palpiteuse, ça fait rien dire. Ah bah voilà ce qu'on va faire. À quoi? Attends. Comment elle te colle? De la ville, près du parc et des appartements. Oh les shit, ok. Ah ouais, ça se passe comme ça maintenant. Enfin, permis de conduire. Oh là là. Bon, déjà on va aller au Burger King. Parce que c'est la fête. Parce que je vais voir si les voitures étaient débuggées depuis le temps. Oula, ça a pas l'air. Rien qu'en voyant les voitures des autres. Ok, on va chercher la bouffe. Est-ce que c'est ouvert? C'est pas ouvert. What? Quoi ce délire avec la pancarte? Peut-être ils ont agrandi la map, c'est bizarre qu'il y ait ces images là. Je sais pas. On va aller à un distributeur de boissons. Pour pouvoir... simplement regagner un petit peu de soif parce que c'est la vie. Et parce que j'ai entendu dire que boire c'était plutôt bon pour la santé. Après chacun en pense ce qu'il veut. Allez hop hop. Et j'ai plus soif. Bien fait, vous voyez, d'autres petits trucs comme ça qui ont été ajoutés. Le fait qu'il y ait le petit couteau et la petite fourchette et la cuillère plutôt au-dessus des aliments pour dire qu'on peut les manger, etc. C'est vrai que c'est souvent. C'est des modifications mineures, mais ça reste quand même plutôt appréciable. Le parc. Bye-bye. À côté des appartements. Ah là-bas! Je crois voir où c'est. Savoir où c'est. Waouh, hallucinant les 20 FPS. Je sais pas c'est quoi ce délire. Enfin bref. J'ai mon CPU à 50%. La carte graphique qui tourne, enfin bref. Qui tourne à 30 degrés plutôt. C'est juste rien à dire. Bon, à côté du parc et des appartements, je veux bien, mais... Est-ce que c'est un de ces appartements dessous? Auto-école, parfait. Hey. Alors, vous devez, pour conduire un véhicule, répondre à 20 questions. Vous ne devez pas faire plus de 5 fautes. En cas d'échec, vous devez attendre un minimum 1 heure avant de pouvoir recommencer. Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. Oh les crap. Si je passe alors que le feu est rouge, je risque de recevoir une amende. Peut me faire tuer sans sommation par la police. Je risque d'aller en prison. Mon véhicule peut être détruit sans sommation. J'en sais rien. Allez, boum. Écarquer volontaire. Et... Allez, boum. Écraser plusieurs personnes volontairement sur le trottoir. Et... Formellement interdit sous peine de lourd bannissement. Mutation en zone rurale. Waouh, c'est 25 normalement. Je pense que c'est 30. S'il n'y a pas de mutation de vitesse. Allez, 90. Oh, c'était en ville. Ok, rip. Le respect des panneaux stop est obligatoire sous peine d'une amende. S'il n'y a pas de loi sur les limitations de vitesse, à combien peut-on rouler dans un tunnel? Alors, sachez que c'est moins, donc ça doit être 50. Je sais pas si ça a changé. S'il n'y a pas de loi sur les limitations de vitesse, à combien peut-on rouler dans une zone industrielle? 50, Inch'Allah. Pour me stationner en zone rurale. Mettre mon véhicule dans le lac et mon véhicule en dehors de la route. Mettre mon véhicule à hauteur.
Si j'écrase involontairement une personne qui se trouve sur la route, je continue tout droit, j'accélère comme un fou, m'échappe, je fonce écrasé. Je m'arrête immédiatement et j'appelle un médecin. Yeah. De combien peut être la limitation de vitesse en ville, zone industrielle et tunnel? Lorsque j'arrive à un panneau stop, je continue sans m'arrêter, j'accélère. Lors d'une course poursuite à haute vitesse, si mon véhicule percute un mur, un autre véhicule ou quelconque obstacle, je suis obligatoirement de m'arrêter et de quitter l'action sous peine d'amendement. Je peux continuer ma route. Allez, boum. L'allumage des veilleuses dans le tunnel est... obligatoire sous peine d'amende. Allez, boum, j'abuse. Si je n'utilise pas mes clignotants pour indiquer le changement de direction, je risque de me faire amender par la police. Lorsque je vois un périmètre de sécurité mis en place, je fais demi-tour sur le champ, je descends de mon véhicule. Passager. Ouais, on va dire ça. En taxi, ai-je le droit d'outrepasser le code de la route pour aller plus vite? D'outrepasser, non? Oui, les policiers tout à l'heure sont là. Non. Rouler en ville à plus de 150 km/h est interdit. What the fuck? Lors d'intervention des véhicules d'urgence, je me range immédiatement sur le côté et laisser passer. Pour me stationner en ville, me garer sur la place du Nexus, utiliser le parking prévu à cet effet. Non, c'est pas ça, je suis sûr. J'ai réussi! What the fuck? Ok, j'ai réussi, what the fuck? J'ai cru, j'avais fait tellement de la merde. Bon bah voilà, j'ai mon permis de conduire, les gens. Putain, je pèse. Ok, bon bah voilà. Putain! C'est quoi ce délire? J'ai cru, j'avais mis tellement de la merde, mais non, bref. Tant pis, enfin tant pis, non, heureusement. Enfin, ouais, c'est cool. Surtout qu'il aurait fallu attendre une heure. Oh, c'est cool, y'a personne sur la route. Salut. Par contre, les règles ont l'air d'avoir changé, faut que je les relise. Hein. Faut que je les relise. Bon, le volant est toujours de ce côté. Alors, c'est halt pour verrouiller. Yes. Oh, les crap! Oh, ils ont fait quoi? Impossible à conduire ou quoi? Ouais, dur. Ok, quel délire. Toujours tant la merde à conduire. C'est des limitations de vitesse et tout. Ok. Ils vont faire pourquoi comment que ça se passe que je roule comme une merde. C'est bon. On peut voir la jumelle de ma voiture. Sauf que moi je l'ai tunée. Parce que je pèse. Bon. Apparemment il n'y a rien de trop nouveau. Est-ce que... je sais pas si on a le droit de faire... Ah non, il y a un canal roleplay, comment on change de canal? C'est pas tab. Comment on change les canaux, quoi.
Shit, shit, shit. Non, c'est tab pour changer de canot. Alt. Contrôle. Peut-être qu'il y a des autres touches. Non, bah non. C'est... LOL. Le mec, il s'est cru dans un jeu. Enfin, dans un... Oui. Alors, U, ça marche aussi. Ça faisait un peu... Un peu bizarre. Oh merde. Ok. J'avais des raccourcis que je connais pas. La goutte. J'espère qu'il y a personne. Ah. Là on avait les phares. Bon, en tout cas ça a pas l'air d'être là-dedans. Bon, je sais pas. J'aimerais bien demander comment, s'il y a éventuellement un moyen de ne pas laguer. Attends, je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui sera là. Je vais me faire prendre en otage. Merde. Je suis là. Ok, y a des gens. Ah, ça me saoule de déjà faire du hors RP, c'est pas grave. Comme ça, après, on pourra vraiment jouer. Ne passerai pas. Ok. Ma voiture. Oui. Je peux te demander un truc en hors RP, s'il te plaît. Non. Oui. Ouais, je voulais savoir, y a pas une astuce genre pour pas que ça bug en voiture? Une quoi? Une astuce pour pas que ça bug en voiture, en fait. Tu sais, les TP et non, tout. Non, non, ça. Ça ouais, moi, j'étais au monde. Il y a vraiment c'est pas quoi, de. C'est d'horreur. Qui vraiment pas de solution. Ok. C'est quoi cette... Ah, merci quand même. Ah ouais, parce que je croyais qu'il y avait... Merde, le micro rip. Rip vos oreilles. Là, il m'avait donné une astuce. Il y avait une commande à rentrer. Et... Mais je sais plus si ça marchait. Enfin bref, ouais, c'est... Voilà, rien que ça, j'appuie une seule fois sur contrôle. Hein. C'est... La goutte. Parce que voilà, allez faire de respectation de limite de vitesse comme masque. Bon. Bon alors si la map a pas changé des fois que, vu qu'il y a eu pas mal de trucs apparemment qui ont changé. Holy crap. Allez je fais chier tout le monde. Ah là là, et j'ai un... Combien de MS? Attendez parce que je suis au milieu de la route, c'est pas grave. Au moins ah j'étais là, attendez, ah 125 ms, ah ouais la goutte, j'ai un joli petit écart avec le cerf en gros. Ouais on a toujours ces problèmes mais bon on passe pas non plus sa vie en bagnole. Enfin bref, proposez-moi dans les commentaires si vous avez des factions ou autres qu'on avait pu le faire la dernière fois. De ceux qui étaient venus sur le live, là, s'ils ont toujours leur faction. Enfin, leur groupe. Pour faire des trucs intéressants un peu. Ok, bon, on a toujours les petits pavillons. Là où ça plante des champlars. Fais gaffe parce que en fait je sais tellement pas conduire que je ne peux pas faire d'excès de vitesse et... Ok bon rien de vraiment même rien du tout de changé hein, par rapport à la map, c'est toujours ce que ça a toujours été. Ok, je voulais juste faire un tour pour voir. Vu que ça fait un bon petit moment que je suis plus retourné sur sur ce Real Life RP. D'ailleurs, il y a moins de monde. Hein. On voit clairement, il y a moins de monde avec la sortie de Dark RP et tout. Je sais pas si Dark RP existait avant Real Life. Ou si c'est l'inverse.
que, enfin en tout cas, l'explosion de Dark RP, c'était en tout cas après que j'ai joué à Real Life. Et il me semble que j'ai vu des vidéos de Dark RP, si je dis pas le même, ouais, où la map était quand même relativement la même. Alors je sais pas, apparemment la map, je sais pas, parce que la map, je croyais que c'était faite par ce serveur. Peut-être que c'est le cas et qu'elle a été revolée, ou peut-être que, en fait, non, pas du tout, ce qui est le plus probable. Mais ouais. Mais avec des variantes un peu, en fait. Je sais pas, cette ville, il y a un créateur de map qui utilise ça de base, j'en sais rien. Tout est possible. Hein. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, on va aller se parquer. Ah, style, l'argent qui monte comme ça, au lieu de que ça se change direct. C'est des petits trucs tout cons, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir changé ça sur l'interface. Ok, ok. Bon. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai du coup dans mon inventaire depuis le temps? Armement, j'ai encore deux Glock. Waouh. Ah, le délire. Munitions, j'ai encore des caisses. Jardinage, j'ai encore des pots. Et ok. On va pas avoir le temps de planter des la weed. Donc, on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire rapidement? Tiens, on va voir s'il n'y a pas des nouveaux métiers. C'est le jobs. Hey. Bon, ils ont changé l'interface à part ça. Rien de changeant. Ok, ok. Ok, ok, alors lui, déjà... Oh, on appelle la flic. Oh, venez, on appelle les flics. Enfin, monsieur, regardez, l'ambulance, elle est mal stationnée. L'ambulance est pas très bien stationnée, hein. C'est pas vraiment un truc. Oh, ils s'en battent les couilles. Hallucinant. Oh, monowalk. Bref, bon. Bon. Hey, j'ai l'impression qu'il y a personne sur le serveur, mais en fait, il y a quand même du monde. Bizarre. Ils sont tous planqués. Ah, j'entendais dire d'ailleurs, il y avait un truc à la discothèque. On va aller voir, on va faire un peu le tour. Encore une fois, on va rien faire très intéressant aujourd'hui. Je pense qu'on va refaire des choses un peu intéressantes, mais je ferai ça en live et je mettrai les rediffs. Enfin, je les montrerai. Et je les mettrai. Oh là, on prévoira des trucs. Ok, tout à l'heure je croyais il disait tout ça à la discothèque et tout, mais pff, apparemment il y a absolument rien. Pour ça je me suis dit peut-être ils sont tous là, mais non, c'est la vasteur de la map, surtout que tout le monde est dans son appart en train de planter de la weed. C'est surtout ça. Mais bon. Sur notre Ikea, qui me semble il s'appelle. Non, Flea, what? Ils se sont dit, vas-y, on n'a pas les droits d'auteur, alors qu'en vrai, ils s'en foutent. Donc, je suis sûr qu'il y aurait moyen qu'ils fassent chier, même pour un serveur comme ça, bref. Bon, il y a Burger King quand même. Et puis ça, si je dis pas de la merde, c'est une banque canadienne. Ah non, Bank of America, ok. Je croyais le sigle me rappelait une banque canadienne, mais non, ça c'est clairement une banque peut-être américaine. Quoique, peut-être qu'elle est aussi au Canada, en fait, et que c'est peut-être ça qui me rappelle. Je sais pas, enfin bref. Ce logo me disait fortement quelque chose. Enfin bref. C'est ça, j'avais déjà vu là. Bon, ça s'en fout, rien de changé. Ouais, pas beaucoup de changements. On va aller voir si Burger King est ouvert. Il me semble pas. Ah, si, peut-être. Ah, ils sont en train de... Ils l'ont acheté, mais ils font pas encore à manger. Bon, tristesse. Je sais pas pourquoi il y a cette image-là. Au début, j'ai cru que c'était North Huntington dans GTA. Et c'est...
Dirais bien une image de Garry's Mod, ouais. Avec un train. Bon, pourquoi pas après tout. Ok, ok. Bon, je vais voir, je suis sûr qu'ils sont tous dans les apparts. C'est là qu'il y a personne dans les apparts. Mais vous sentez. Oh putain. Waouh. Ok, deux chambres d'acheter. Ah, c'est le désert. Pas le droit d'appeler la police. Ok. Bon, bah écoutez. Je sais pas quoi dire, je me fais un peu chier à vrai dire. Là, c'est vrai que c'est relativement le désert. Ok. C'est relativement le désert. Bon. Oh putain, il dit quelque chose lui. J'essaie de voir si c'est des gens. Ouais, par. Si, il me dit quelque chose, Hubert Partial, il est pas là. Localisation, ouais. Non. Wow. Tout sort ligne. Triste. Bon. Ah, c'est ouvert. On a fait, on a fait, on a fait, on a fait. Ça a déjà ouvert ou... Non, désolé monsieur, je cherche un four. Ah ok, pardon. Je vais aller en chercher. Ouais, je viens de voir ça. C'est vrai que moi aussi j'aime bien manger des fours de temps en temps. bon... Eh, c'est hallucinant, il se cache. Bouge à tout. C'est juste... hallucinant. J'ai l'impression qu'il y a du monde dans le serveur, mais en fait, il y a personne. Regardez, c'est désert. Ah si, oh, un policier. Ok. En tout cas, si vous avez des idées de choses à faire que je pourrais faire éventuellement tout seul, hashtag apprendre à parler, c'est cool. What? Oh, il y a un bar. Waouh. Super gaffe comme ça il était pas avant. Ok. Ouais, des idées de ce que je préfère tout seul ou même si vous voulez être volontaire pour nous aider. C'est. On dirait les bagnoles dans GTA, c'est vrai. Voilà, si vous avez des idées tout simplement. Ça peut être plutôt cool. Bon bah écoutez, je crois que je vais vous laisser là pour ce petit épisode. On aura découvert vite fait. Nouveauté du serveur, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et où ça se passe. Ça fait beaucoup de passes. Parce que je passe. Voilà, c'est tout. Ceci était l'impro du siècle. Il n'y a pas d'autre immeuble derrière celui-ci. Mais faut pas le dire. Bon, donc voilà, donc écoutez, bah. J'espère que quand même cette petite vidéo, bon, du coup, très courte, hein, vous aura plu. Et puis, bah, surtout, n'hésitez vraiment pas à me donner des idées dans les commentaires ou à vous proposer. Tout simplement, j'essaierai peut-être de recréer un Skype pour pouvoir accepter un peu tout le monde en fait sur tous les abonnés, vous là qui regardez, même si vous n'êtes pas abonné, mais bon, je vous frapperai et vous torturerai pour que vous vous abonnerez, donc vous le serez. Par contre, ça c'est totalement interdit, heureusement qu'il n'y a pas de flic. Mais voilà, tout simplement pour que vous puissiez organiser des trucs. Ce qui pourrait être vachement cool. Ok, donc voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé, un pouce rouge si vous avez pas aimé, et à l'expliquer pourquoi vous avez pas aimé dans les commentaires. Et puis si vous avez adoré, vous abonner. À la prochaine, salut.